Hi. Hi. How are you? You have questions. Yes. I had a lot of questions. I'm sure you had a lot of questions, but rest assured, we're going to answer them right now. What's up, YouTube? Comment ça va les Jedi et la forme? Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Star Wars Jedi Survivor. Les gars, ce jeu, c'est clairement une dinguerie. Je m'y attendais pas du tout. Si vous hésitez encore aujourd'hui à l'acheter, les gars, foncez. Franchement, c'est lourd. Alors les gars, aujourd'hui, je vais vous présenter les meilleures compétences pour briser, pour éclater le game sans plus attendre. C'est parti. On démarre avec la première posture, maniement double, et la compétence frappe de recul. C'est une compétence qui va vous permettre de faire une attaque rapide vers l'avant et ensuite reculer. Bon à utiliser si vous ne connaissez pas encore bien les patterns de l'ennemi qui est en face de vous. On passe maintenant sur la parade concentrée. Donc en fait, c'est une compétence qui effectuera une parade parfaite pour vous. Si vous n'êtes pas un adepte de tout ce qui est Souls et Souls-like, que vous ne savez pas parer au bon moment, que vous n'êtes pas habitué, il n'y a pas de souci avec ça les gars. Cal est là pour faire une parade parfaite avec cette compétence. On passe maintenant sur relâchement de précision, qui est une version améliorée de parade concentrée. Donc c'est-à-dire que Cal fera aussi une parade parfaite, mais fera des dégâts de zone supplémentaires et toucher d'autres ennemis. Frappe déchaînée, compétence utile si vous tombez sur des ennemis qui aiment à la fois jouer au corps à corps et reculer en même temps, comme ici je vous montrais. Donc là je l'ai raté, donc hop, je l'ai foiré. Cal va aller faire une attaque vers l'avant, bon, l'ennemi était encore un peu trop loin. Donc voilà, donc ça c'est utile vraiment si vous voyez que l'ennemi aime jouer au corps à corps ou à distance. Double vipère, compétence utile lorsque par exemple vous tombez sur un groupe d'ennemis. Ce que va faire Cal, c'est balancer à distance ses doubles lames pour se débarrasser de certains ennemis. Comme ici dans l'extrait, je vais me débarrasser du mec qui est ici ou se débarrasser de plusieurs ennemis à la fois. On passe maintenant sur les compétences du blaster, donc du flingue. Plongeon aérien, ce que va faire Cal, c'est de se rapprocher de l'ennemi avec un bond vers l'avant. Donc si vous tombez sur des ennemis comme ici le robot qui fait que bouger dans tous les sens, vous pouvez le rattraper avec cette compétence directement. À bout portant, qui est une de mes compétences préférées du blaster, il faudra vraiment utiliser cette compétence au bon moment, c'est-à-dire avant que l'ennemi ne vous touche. Vous pouvez one-shot les petits ennemis ou stun les plus gros comme ici la grosse bête. Cette compétence me fait fortement penser à Bloodborne, c'est-à-dire que vous devez tirer sur l'ennemi juste avant qu'il vous attaque pour, entre guillemets, le stun. Attaque rapide, compétence qui est aussi utile. Donc ce que va faire Cal, c'est se concentrer pour viser plusieurs ennemis à la fois qui sont dans son champ de vision. Utilisez cette compétence lorsque vous tombez sur des troupes d'ennemis pour en éliminer un maximum. Et la dernière compétence du blaster, qui est déluge d'énergie. Alors les gars, si vous comptez faire des builds avec ce pistolet, vous devez impérativement acquérir cette compétence. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous n'aurez plus de munitions, vous devrez utiliser cette compétence justement pour recharger vos munitions, comme je vous le montre sur le côté. On passe maintenant sur la troisième posture, qui est garde croisée avec la compétence frappe clivante à distance. Alors là les gars, dans Star Wars Jedi Survivor, il y a une nouvelle mécanique, ils ont mis un sabre laser de force. On va l'appeler sabre laser colossal. Si vous êtes un fanatique de force dans Dark Souls ou Elden Ring, ce sabre est clairement fait pour vous. Le balayage énergique. Ce que va faire Cal, c'est une attaque à 180 degrés pour éliminer les ennemis qui sont devant lui, donc très utile pour vous débarrasser de plusieurs mobs ou faire de gros dégâts de stamina et de vitalité sur les plus gros ennemis. On passe maintenant sur impact renforcé, compétence qui est aussi pas mal. Ce que va faire Cal, c'est balancer des ondes de choc à distance pour pouvoir se débarrasser d'un ennemi ou plusieurs ennemis à la fois. Ça marche très bien sur les petits mobs comme sur les robots. Et on passe maintenant sur ma compétence préférée de la garde croisée, qui est tonnerre grondant. Alors les gars, Cal va faire une espèce d'attaque
ultra chargé. Compétence qui fonctionne bien sur un ennemi qui est seul, bon bien sûr vous allez le détruire. Ou balancer aussi cette compétence sur plusieurs ennemis à la fois. Renvoi chargé, alors c'est une compétence qu'il faudra acquérir aussi avec cette posture parce que vous allez très certainement souvent tomber sur des groupes d'ennemis dans le jeu. Donc ce que va faire Cal, c'est balancer les munitions en mode explosif et toucher plusieurs ennemis à la fois. On passe maintenant sur de la confusion, la compétence esprit embrouillé, donc c'est simplement embrouiller l'esprit d'un ennemi pour qu'il devienne votre allié. Confusion accrue qui est simplement une version améliorée d'esprit embrouillé. Ce que pourra faire Cal, c'est posséder l'esprit de deux mobs pour vous aider à vous débarrasser de tous les ennemis. Confusion supérieure. Alors avec cette compétence, vous pourrez posséder l'esprit des ennemis humanoïdes qui sont un peu plus résistants, donc ceux par exemple qui ont un bouclier, une mitraillette ou un lance-flammes. Force redirigée. Alors celle-là, elle est vraiment top. Ce que va pouvoir faire Cal, c'est utiliser les ennemis comme des marionnettes pour les retourner contre leurs propres alliés. Regardez-moi ça. Compétence super utile si vous voulez vous débarrasser de plusieurs ennemis à la fois très rapidement. On passe maintenant sur la télékinésie avec la compétence traction brutale. Alors celle-là pour dire les mecs, elle est vraiment brutale. Ce que va pouvoir faire Cal, c'est attirer un maximum d'ennemis vers lui qui va les stun durant un moment. Vous allez pouvoir exploser un maximum d'ennemis avec cette compétence. Poussée radiale. Alors c'est une compétence que vous pourrez utiliser si vous tombez sur des mobs qui sont assez agressifs justement pour les déstabiliser ou one-shot les petits mobs. Regardez-moi ça. Lévitation abrupte. Alors les gars, avec cette compétence, vous allez pouvoir monter en l'air les ennemis au sens propre comme au sens figuré. Ce qui est bien avec cette compétence, c'est que les ennemis seront entre guillemets indisponibles pendant un certain moment dans le combat. Vous allez pouvoir vous débarrasser des autres ennemis ou bien vous attaquer à eux directement. Et on passe sur la dernière compétence qui est écrasement de masse. Donc comme son nom l'indique, vous allez pouvoir écraser des groupes d'ennemis. Alors soit ça va les one-shot ou ça va les étourdir. Durant un certain moment, vous allez en profiter pour les tuer. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, partager, de lâcher un like et d'activer la cloche. C'était Motive Mano Gaming. Je vous dis à très très bientôt. Ciao !